Il est 5h20, 5h25 du matin. Il y a déjà du monde en fréquence. Le 213-51 touche de la part de Dandy 33 là sur le secteur de Saint-Émilion. Là en partance pour le pro. Ah, ça n'a pas l'air d'être des Français là, cela. Ah, là aussi on a du monde. Là aussi. Allez, 5h25. Bon, là, on a compris, c'est pas français. Oh, il y aurait bien de la propague. Ah ouais. 5h25, 5h30. Il y a déjà de la propague. Comme celle-là, elle a dû durer toute la nuit. Attention, la belette pour Dandy 33 qui t'appelle. Là, c'est les Charentais qu'on entend là. 60, 70, 90. Allez, 5h45 du matin. Le jour se lève. Ils arrivent.
113.51, les stations en fréquence de la part de Dandy 33 depuis le haut du pont d'Aquitaine. Et bonne journée à tous. Côté circulation, c'est tout cuiro là pour le moment. Attention, Centaure, Nico, la belette pour Dandy 33 qui vous appelle. Ouais, il est 6h05, c'est encore trop tôt pour vous, HI 3 coups. Noyé dans les QRM du pont d'Aquitaine, j'ai entendu quelqu'un derrière, les 73-51 à la station de la part de Dandy 33, presque rendu en bas du pont d'Aquitaine. C'est vrai, il faut dire aussi que pour certains, les vacances commencent. Donc forcément, on les entend moins. Attention à la belette, Nico, Centaure pour Dandy 33 qui vous appelle. Alors, les stations en fréquence, sur la rocade côté intérieur, là, à la hauteur de Mérignac, là, c'est complètement bouché. Hein. Donc, depuis Mérignac, là, en direction du pont d'Aquitaine, là, c'est complètement bouché. Hein.
CQ CQ CQDX, appel sur la fréquence des kilomètres pour 14 kilomètres 3301, opérateur Rémi qui lance appel en mobile depuis la rocade de Bordeaux. CQ CQ CQDX, appel de 14 km 3301, opérateur Rémi, qui lance appel en mobile depuis la rocade de Bordeaux. CQ CQ CQDX, appel de 14 km 3301, opérateur Rémi, qui lance appel en mobile depuis la rocade de Bordeaux. Attention, senteur pour Dundee 33 qui te lance appel. C'est le bordel sur la rocade de Bordeaux. Normal, c'est Bordeaux. Ouais, voilà. Bon, du Bordeaux sans bouchon, c'est plus du Bordeaux. Bonjour, Rémi. Hé, ça y est, il est vivant, il est là. Les 73 à toi, la belette. Tu m'étonnes, eh bien là je débouche de Mérignac, enfin j'essaie quoi. Ça fait un quart d'heure, ça fait un bon quart d'heure là que j'ai débauché. Là je suis bloqué là sur la rocade. Remarque, pendant ce temps-là, j'en profite pour admirer le paysage. Ouais, t'as pas ramené les cuisses de ma femme, oui c'est tout, voilà ce que ça veut dire. Hein. Ouais, en gros c'est ça. Ouais, faut pas le connaître le bougre. Mais là, moi, je viens de partir des stations totales, je vais m'échapper par la sortie numéro 9, et puis on verra ça demain. Hein.
Ok, je suis où? Ah ben, je crois que je dois être à côté de la clinique Jean Villard. Ouais, c'est ça, je suis à côté de la clinique Jean Villard. Ah ouais, ok. Mais t'es en quelle direction de la direction Bruges vers Mérignac ou Mérignac vers Bruges? Ah, je suis dans le sens Mérignac-Pont-d'Aquitaine. Enfin, normalement, Hachi. Ouais, mais c'est bien comme ça, t'as le temps de compter tous les cailloux enrobés, voir si nous sommes bien tous, s'il n'y en manque pas. Non, ça va, pour l'instant, j'en ai pas trouvé de main qui manquait. Hein. Ah, non, non, c'est pour ça qu'il faut vérifier si la qualité de service est plus simple aujourd'hui. Hein. Bon, mais voilà, bah, ça y est, bah, j'ai pris ma sortie, je vais m'échapper par derrière, ça sera toujours plus calme que là-bas. Surtout avec les travaux, là, on met ça pour rouler, on se trouve. Hein. Bon, ouais, mais putain, ça fait plaisir de t'entendre, ouais, parce que ça faisait un mal, c'était pas sur le secteur. Ben oui, normalement je devrais revenir le 22 juillet, mais comme j'ai reçu un SMS de changement de planning, je sais pas, j'attends d'être rendu au QRA pour voir ce qu'il en est. Et là, la semaine prochaine, pour 2 semaines, je prends le solde des vacances qu'il faut prendre avant le 31 mai, je veux dire. Ok, ouais, mais moi, les trois premières, ça va. Ok, pas de problème. Et Daniel, qu'est-ce qu'ils ont eu de bien parce que j'entends plus le matin? Eh ben, il est toujours vivant, puisque je le vois mettre ses messages, justement, là, sur Facebook. Donc là, je sais qu'il est toujours vivant. Bon, mais c'est rassurant. Bon, merci à Dieu, c'est un verre à mes d'amitié. Ok, d'après ce que j'ai compris, parce que là, bon, là où j'étais, j'ai pas mal discuté avec les chauffeurs et tout. Il y en a quelques-uns qui le connaissent et paraît-il qu'aujourd'hui, là, il était en repos. Donc, moi qui espérais l'avoir ce matin sur la route, ce matin, j'ai embauché, il était 6h45. Donc, beaucoup trop tôt pour toi. Hachi ! Et bon, ben, j'ai pas pu l'avoir, quoi. Mais bon, quand les mecs m'ont dit qu'il était en repos aujourd'hui, j'ai dit, ah ben, c'est bien la peine. Je viens sur Bordeaux, enfin, sur Mérignac, et il n'est pas là, lui. Ok, le pont d'Aquitaine, je l'ai pris, il était quelle heure? Je sais plus, il devait être 6h15, je crois. Non, 6h15, c'est l'heure à laquelle je suis arrivé sur le site. Alors il devait pas être 6h encore. Parce que je suis parti de QRA, il était 5h20. Autrement dit, à côté de Castillon-la-Bataille, voilà, à 5h20. Donc ça te donne une idée à peu près quand je suis passé sur le pont d'Aquitaine. Ouais, mais ça fait, j'étais déjà occupé à pas de descendre tout ça pour préparer pour être prêt à 6h15. Bon, donc il n'y a pas de problème. Bon, mais merci Rémi, je vais te souhaiter de bon retour au QRA, ma famille de ton bien. Des gros bisous et à bientôt. Ok, ça marche, je suis très content de t'avoir eu en fréquence. Et bien, c'est 1351 à toi et à la prochaine là-dessus. Ok, bis sur les deux joues. Là, enfin, ah, j'ai entendu quelqu'un, putain, il y a quelqu'un qui nous écoute derrière. Hachi, trois coups. Les 73 à toi et à la prochaine. Ok, ciao. Les 73 de la station que j'ai entendu là tout petit, là derrière, dans le lointain, de la part de Dindy 33, coincé dans les bouchons sur la rocade de Libourne. La rocade de Bordeaux, je vais pas si vite que ça. Bon, on dirait que ça passe plus de mon côté. Bon, c'est pas grave. Si t'es sur la route, la station, les 73, 51 à toi. Pour ma part, j'arrive à la sortie 4, sortie Bruges. Voilà, enfin bon, pour moi, pour ma part, je continue tout droit, direction le pont d'Aquitaine.
certains pays, comme ça, quand on arrive sur les autoroutes, par exemple, dans des zones de chantier, comme en Allemagne, ouais, tiens, voilà. En Allemagne, eh bien, dans les parties, les zones de chantier, vous avez un message qui passe sur la CB, qui est un message qui passe en boucle, qui avertit que, qu'il y a des travaux. Alors, c'est dommage que chez nous, ce ne soit pas comme ça aussi, quoi. Ça, c'est vrai que ce serait bien pratique, hein. Alors tout à l'heure il n'y avait rien du tout, et là ça y est, ça passe, ça arrive de tous les côtés. Alors, c'est là qu'on voit l'avantage des multimodes. Quand ça passe plus ou quand c'est calme d'un côté, on vient de ce côté-ci et avec un peu de chance, voilà, il y a la pompe à carré comme là. CQO, CQO, CQDX, appel sur la fréquence des Tannants pour 14 km, 3301, opérateur Rémi qui lance appel en mobile depuis Bordeaux, sud-ouest France. CQO, CQO, CQDX, appel sur la fréquence des kilomètres pour 14 km, 3301, opérateur Rémi qui lance appel depuis sud-ouest France, Bordeaux. CQO, CQO, CQDX, appel sur la fréquence des kilomètres pour 14 km, 3301, opérateur Rémi, qui lance appel en mobile depuis le sud-ouest de France, la rocade de Bordeaux. CQO, CQO, CQDX, appel de 14 km, 3301, opérateur Rémi, qui lance appel en mobile depuis sud-ouest France, Bordeaux. CQO, CQO, CQDX, appel de 14 km, 3301, opérateur Rémi, qui lance appel en mobile depuis le sud-ouest France, Bordeaux, et qui vous propose un Q1SY sur le 27 535. 27 535, c'est parti pour moi. CQO, CQO, CQDX, appel de 14 km, 3301, opérateur Rémi, qui lance appel en mobile depuis la rocade de Bordeaux, sud-ouest France. CQO, CQO, CQDX, appel de 14 km, 3301, opérateur Rémi, qui lance appel en mobile depuis le sud-ouest France, Bordeaux.
CQDX, appel de 14 km 3301 opérateur Rémi, en mobile sud-ouest France, en haut du pont d'Aquitaine. CQDX, appel de 14 km 3301 opérateur Rémi, qui lance appel en mobile depuis le sud-est de France en haut du pont d'Aquitaine et qui vous propose un QSY sur le 27 535. 27 535, c'est parti pour moi. CQDX, appel de 14 km 3301 opérateur Rémi, qui lance appel depuis le haut du pont d'Aquitaine. 14 km 73-06 Patrick, les bottes sont 13-51 à toi de la part de 14 km 33-01 opérateur Rémi, Dandy 33 mobile. Ok, merci pour le retour, et ben, je suis très très content de pouvoir vous copier. Parce que si on fait le QSO maintenant, c'est un peu de votre faute d'aller passer les jours, viséo. J'ai ressenti le vieux matériel qui avait 25 ans. Avec une CRT Hercule Turbo, là. J'espère que ça marche à peu près. Ah oui, j'irai pas autant de QRM de mon côté, que ça passera un peu mieux, HI 3 coups. Mais oui, ça marche bien. D'ailleurs, avec votre permission, je suis en train de faire là une petite vidéo, dont vous pourrez voir comment ça passe. Ça fait une petite vidéo, quand je dis ça, c'est à chaque fois que je dis une connerie. Je suis en train de faire une vidéo, et là, vous pourrez voir comment ça passe dedans. Bon, c'est pas très fort, mais ça marche bien là de mon côté, hein. Bon, en tout cas, pour ma part, les conditions de trafic, c'est un président Lincoln 2, avec une petite boîte qui va bien derrière, et côté antenne, c'est une Wilson 5000 placée au centre du toit du push. Ok, ok. Et ben moi, donc, c'est la Hercule Turbo avec sa puissance qu'elle peut donner, c'est-à-dire une centaine de watts. Le micro, c'est un petit micro à condensateur avec une table de mixage. Par contre, j'habite au milieu du béton, et c'est une Wilson 5000 également, mais posée sur l'avant du balcon, voilà. Bien entourée de béton, mais quand ça veut rire, ça passe. Ah la vache! Ah oui, effectivement, là, ça passe bien! Putain la vache, je pensais pas, pour moi, vous êtes, ah je vais y arriver, pour moi vous êtes forcément, c'est une antenne de fixe, et puis en fin de compte, non. Ah oui, pour bien marcher, comme quoi, la Wilson 5000, elle est super comme antenne, hachi. Bon, la propa qui est pour beaucoup, et bien entendu. Hein. Bon là, voilà, je suis maintenant là sur la rocade, rive droite là de Bordeaux, là pour vous situer un petit peu là où je suis exactement. Là coincé dans les bouchons de Bordeaux, tiens. Ok, t'as cette surmodulation qu'il y a derrière. Oui, non, mais j'ai bien situé, il n'y a pas de problème. Et ben, disons que le beau côté, attends, je fais gaffe, le beau côté dans les bouchons, c'est qu'on a le temps de voir le paysage. Il y a toujours un bon côté à tout. Ah, chie trois coups. Attends, que je change de fil. Voilà, ok, ça y est, c'est bon. Non, mais ça, les bouchons, j'attache pas plus d'importance que ça. Faut prendre son mal en patience, et puis c'est tout. Hein. De toute façon, tout à l'heure, je serai quand même chez moi. Hein. Et pour revenir à votre QTH,
Eh bien, curieusement, depuis mon QRA, qui est à côté de Castillon-la-Bataille, entre Saint-Émilion et Castillon-la-Bataille, bah, de la façon dont je suis placé, avec, c'est-à-dire dans un trou mal tourné en plus, eh bien, c'est tout un secteur que je n'entends jamais, quoi. Et il faut que je sois sur Bordeaux en mobile pour arriver à attraper ce secteur-là, quoi. Ok. Bon, par contre, j'ai la chance, alors vous suivez sur le WebSDR, hein, une jolie trouvaille, et ben, si vous pouvez faire le QSP, je crois que c'est Ludo, hein, qui avait fait cet outil-là, qui est vraiment formidable, et justement, j'ai commencé par ça, je l'écoutais sur le web, et puis après, ça m'a donné envie, je suis allé gratter dans le garage, j'ai retrouvé, j'avais du matériel, 706, un TS-140, ma base. Pour le TS-140, et ben quand j'ai remis en marche, il est parti en fumée. Bon, ben, tant pis, c'est pas grave. Et donc, je me suis repris, hein, j'ai remis les yeux aussi, et pris le fond, mais clairement, je m'agabonne. Hein. Ok, bon alors là, il y a, je sais pas si c'est l'Italie ou l'Espagne, je sais pas trop, l'Italie, je pense, là, qui a complètement surmodulé, mais bon, globalement, j'ai bien compris, hein. Il n'y a pas de problème, je ne manquerai pas de faire le QSP à Ludovic. Ouais, c'est bien lui, hein, qui a monté le WebSDR sur l'est de Bordeaux, là, sur Florac. Voilà précisément où je suis. Et où le WebSDR se trouve, à Chy. Alors là, maintenant, je suis rendu à la sortie 26, là, sur la rocade de Bordeaux, pour attraper ensuite la grande ligne droite qu'il y a là, en direction de Libourne. Voilà exactement là où je me trouve. Là, ben, je viens d'arriver au feu. Comme quoi, quand on prend son mal en patience, et bien, les bouchons, ils sont pas si longs que ça, parce que j'en suis sorti, là, des bouchons. Oui, ok. Alors là, ça commence à diminuer. Hein. Je commence à en perdre. J'ai pas tout compris. J'ai entendu les bons exemples, mais j'ai pas tout compris, là. Si vous me copiez toujours, et ben, je vais vous envoyer mes 73-51. Je vous le laisse, là, mais c'est vraiment trop dur. Hein. J'entends pratiquement plus. Je vous envoie mes 73-51 et j'espère qu'on pourra se recopier de nouveau, là. Ok, pas de problème, c'est vrai que je suis là sur un secteur où ça passe très mal. Il y a des zones comme ça, là je bouge un peu. Il y a des zones comme ça où ben, d'un seul coup les ondes ça veut plus, alors que je suis d'un endroit qui est pourtant dégagé. Voilà, j'espère que là ça aura. Voilà, je bouge encore un peu. Ah ben c'est bon, en plus j'ai le feu vert avec moi. Voilà, alors là, ça devrait, je pense que là, maintenant, ça devrait le faire. Là, ouais, normalement, je suis orienté de votre côté. Oui, c'est un petit peu, comme vous m'avez expliqué tout à l'heure, effectivement, là c'est étonnant qu'il n'y ait pas de QRM. Alors que là, j'étais complètement noyé dans les QRM à l'instant, plus la surmodulation des appels qui se font derrière. Alors désolé les stations là qui appellent là derrière, mais pour ma part, ben, je comprends que le français. Donc, ben, désolé, mais je ne peux pas prendre vos appels, il y a vraiment que le français que je comprends. Ouais, c'est étonnant, oui, que je saute du coq à l'âne comme ça, moi c'est hallucinant. Quoi. Le peu de QRM que vous avez. Tout le monde peste les QRM, justement au niveau de leur QRA et tout. Et vous, pas un pet de QRM, une installation qu'on peut dire assez light, côté aérien, et ça passe du feu de Dieu, comme vous pourrez voir dans la vidéo. Quoi. Voilà, là je suis sur la voie rapide là, en direction de Libourne. Tout à l'heure j'étais au niveau de la sortie
pour attraper la direction Libourne. Voilà, là maintenant, là, je suis en plein dans la bonne direction. Ok, rendez-vous. En effet, c'est remonté la pointe. C'est toujours sans signal, mais avec une très très bonne radio. Alors, ça fait que... Ah ouais, je vois ça. Hein. Ça, c'est vraiment exceptionnel d'entendre, d'entendre ça. Quoi. Alors que c'est vrai que partout, que ce soit sur mon forum, la planète civile francophone, comme sur le groupe du même nom, il y a énormément de gens qui ont des problèmes de QRM de toutes sortes. Alors bien souvent, ça va être du CPN des voisins, parce que bon ben voilà, ils veulent pas de câbles réseau qui traînent partout, ils font passer ça par les prises de courant et tout, ça fout le bazar partout. Bien souvent, les QRM qu'il y a justement là en ville, ceci, cela, proviennent de ça. Il y a aussi tout ce qui est néon, des magasins et tout qui en balancent partout. Et puis vous là, j'ai sorti une connerie, non, je vais m'abstenir. Et vous là, zéro de QRM. Alors là, ça a de quoi faire rendre vert pas mal de monde. Ok, merci pour ce QSO, les passants 1351 à vous. Et ben, la prochaine fois, ça sera quand je mettrai la vidéo en ligne. Je vais commencer à m'y attaquer ce soir. Elle sera certainement mise en ligne demain, à voir. Merci pour le QSO, les passants 1351 à vous et profitez bien de la propague. Merci, bye bye. Là, c'est parti, là. Oui, la station est 73-51 de 14 km, 33-01, opérateur Rémi, en mobile, sur le sud-ouest de France, le département de la Gironde. Bon, ben, ça, c'est fait. J'ai rien compris, j'ai pas compris grand chose qu'il a dit, lui a rien compris dans ce que j'ai dit. Ce qui a clarifié le QSO de suite, Hachi. Okay.
CQO, CQDX. Appel sur la fréquence des kilobikes pour 14 kilobikes 3301 opérateur Rémi qui lance appel en mobile depuis le sud-ouest de France. Les 73, Daniel, comment vas-tu? Tiens, je viens. Je viens de faire un QSO avec le département 73. Voilà, un peu plus haut. Je débauche, j'étais à Mérignac, là où tu devines, à Chy. Là, toute la journée, j'ai pris le pro ce matin à 6h45. Voilà, je t'ai appelé ce matin et c'est bon, j'ai appris par un chauffeur que tu étais en repos aujourd'hui. Ok, d'accord, ben là ça va, je t'entends bien là de mon côté. Bon, c'est pas très fort, il faudrait pas que j'ai une montée de QRM, mais là ça passe bien quand même malgré tout. Hein. Tu m'as proposé un rendez-vous pour jeudi de la semaine prochaine. Je sais pas si je serai dispo. Je serai au dernier moment car comme je te l'ai mis là à partir de lundi, là je vais être pendant 2 semaines en vacances. Donc autrement dit, c'est là que je vais avoir le plus de boulot. Hachi. J'ai pas mal de trucs en attente là au QIRA. Il faut que j'aille à la déchetterie, ceci, cela, ainsi de suite. Il faut que je m'active dardard sur ce que j'ai à faire au QIRA. Donc je pourrais te dire au dernier moment si ça sera bon ou pas pour moi. Là, je suis pratiquement rendu à la sortie 9, la sortie Libourne, et là ça commence à être assez QRP là de mon côté. Mais bon, j'ai compris ce que tu m'as dit, il n'y a pas de problème. Ouais, faudra arriver là, voir un petit peu si s'il y a du monde en plus là-bas, ça risque d'être un petit peu chiant, c'est sûr. Mais bon, de toute façon, là on est en plein été, des coins parfaitement isolés, c'est pas évident à trouver, c'est assez ardu. Hein. C'est assez ardu à trouver, on verra bien de toute façon. Hein. Puis en plus là pour le moment là c'est la meilleure idée qui est, on va dire, puisque là je suis un petit peu largué là complètement là de du côté sortie radio. D'ailleurs tu le vois justement là dans mes vidéos et tout, j'en fais une en ce moment d'ailleurs.
Tu verras dans mes vidéos, c'est vrai qu'en ce moment, je fais aucune vidéo de sortie parce que ben, il n'y a pas de sortie. C'est assez compliqué, c'est beaucoup pris par le pro, ceci, cela. C'est assez compliqué, quoi. Et ben, je verrai bien, de toute façon, jeudi. Hein. Je verrai bien ce que ça donne. Si ça veut le faire, ben, pas de problème, hein, je te tiens au courant, hein, sans problème. Non, j'ai le poste qui est pas mal qui est pas mal chaud, le reste derrière, ce que j'ai l'Alpha Lima qui est allumé aussi derrière, là qui est pas mal chaud aussi. La température dans le push, j'ai combien? Putain, j'ai 32 degrés dans le push. Je vais éviter de passer en FM. Ça risque de craindre un petit peu pour le matériel. Ok, ça marche, j'ai Roger, il n'y a pas de problème. Les bottes sont 1351 à toi, et tu verras ça dans la vidéo, ce que les conneries que j'étais en train de te dire. Hachi, non, c'est là il fait, j'ai le matériel qui est bouillant. Et vu la température dans le push, je préfère pas passer en FM. Ça risque de me jouer un mauvais tour. Les 7351 à toi, 212 QRA, et merci pour ce QSO, Daniel, à la prochaine. Ok, merci, bye bye. Et on est sur la fréquence des kilomètres. Hachi. Ça, c'est le petit clin d'œil au niveau des stations des kilomètres qui viennent dessus et qui ne trouvent jamais personne. Bon, c'est vrai que tout le monde n'a pas les mêmes avantages. Là, j'étais chanceux parce qu'après tout, Daniel aurait très bien pu être en QSO sur d'autres fréquences. Là, ça s'est fait comme ça. Ah, ça s'est fait comme ça. Bon, ben, tant mieux pour moi.
Ça, à mon avis, celui qui vient d'appeler, il rentre trop fort dans son ampli, et là, ça écrase tout, ça fait dégueulasse. Alors, quand on utilise un Alpha Lima, bon, peu importe ses opinions là-dessus, hein, il faut, allez, il faut pas aller au-delà des 50%. 50%, c'est bien suffisant là, pour rentrer dedans. Okay.
How you doing, mate? Done six.